Ça fait 8 ans que j'entraîne mes jambes pour qu'elles soient très fonctionnelles, fortes, souples, explosives et résistantes à plein d'environnements différents. Et pendant ces périodes, j'ai commis beaucoup d'erreurs et c'est pourquoi je souhaite vous les partager aujourd'hui en expliquant 10 choses que vous devez absolument savoir pour développer des jambes très fortes. Je suis persuadé que vous allez apprendre énormément de choses, peu importe votre niveau. Certains points vont même beaucoup vous surprendre et dans tous les cas, en les appliquant, vous allez gagner plusieurs années de progression. Que ce soit par rapport à la force, la souplesse, la vitesse, l'explosivité, peu importe. Mais avant de commencer, putain trop, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de réagir à plein de situations différentes. Le premier point est de mettre en place des exercices où vos genoux vont dépasser vos orteils. J'en parle régulièrement sur ma chaîne, mais laissez-moi résumer les points les plus importants. Premièrement, c'est une position qui est omniprésente dans énormément de sports différents et surtout les sports où il y aura des changements de direction. Et puisque vous êtes sûr de retrouver ces positions dans un contexte sportif, et ben c'est absolument débile de ne pas les travailler lors de votre entraînement. Deuxièmement, Charles Poliquin, qui est un des préparateurs physiques qui a créé le plus de médailles olympiques dans le monde, disait constamment que plus vous êtes fort dans une position où vos genoux vont dépasser vos orteils, et ben plus vos jambes seront fortes et plus vos jambes seront solides. Troisièmement, c'est aussi un principe qui est utilisé lors du Peterson Step Up, un exercice qui a été inventé par Carl Peterson pour aider son équipe canadienne de ski alpin à faire face aux fortes pressions qu'il y a au niveau des genoux lorsqu'on fait ce genre de sport. Donc que ce soit en termes de performance ou de santé, c'est vraiment important de mettre en place ce genre d'exercice, que ce soit à travers le split squat ou par exemple d'autres exercices comme le CC squat. Maintenant, le deuxième point duquel je souhaite vous parler, c'est l'importance de travailler le solaire. Alors là aussi, j'en parle assez souvent sur ma chaîne, mais le solaire, souvenez-vous, c'est ce muscle profond qui, avec les gastrocnémiens, forme ce qu'on appelle le triceps sural, c'est-à-dire, en d'autres termes, vos mollets. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une étude de Hammer et Delp qui a été faite en 2013 qui nous a montré que c'est le muscle qui va jouer un plus grand rôle en ce qui concerne l'accélération horizontale et l'accélération verticale. Donc si vous voulez avoir des jambes et qui peuvent courir rapidement, qui peuvent sauter haut, qui peuvent sauter loin, et ben c'est très important de travailler ce muscle-là. Et vous allez y arriver en faisant des levées de talons dans différents angles et dans différentes positions. Le troisième point que vous devez absolument comprendre, c'est que les genoux, c'est ce qu'on appelle une articulation de compensation et qui va donc réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle, c'est-à-dire au niveau des hanches, et également en dessous d'elle, c'est-à-dire au niveau des chevilles. Et donc, en d'autres termes, si ces articulations-là, donc c'est-à-dire les hanches et les chevilles, ne sont pas suffisamment fortes, ne sont pas suffisamment souples, et ben dans un contexte sportif, vos genoux auront tendance à compenser, ce qui va augmenter votre risque de blessure. Et donc, c'est pour ça que, à mon sens, c'est important d'être vraiment fort dans toutes les positions de ces articulations-là. Et donc, par exemple, si on prend une articulation comme celle de la hanche, et ben on se rend compte qu'elle peut travailler en flexion, en extension, en abduction, en adduction, en rotation interne, en rotation externe. Et donc tous ces patterns doivent être travaillés à la fois en force, mais également en souplesse. Et c'est la même chose avec vos chevilles. On a la dorsiflexion, on a la flexion plantaire, on a l'inversion, on a l'éversion. Et tous ces patterns-là doivent être travaillés pour que vous puissiez justement avoir des genoux qui pourront facilement s'adapter, un bas du corps qui pourra facilement s'adapter à plein de situations sportives différentes. Parce que c'est ça vraiment le fait d'avoir un corps fort. Maintenant, le quatrième point que j'ai envie de vous partager, c'est l'importance de travailler votre souplesse activement parce que la souplesse passive, en fait, on s'en fout. On s'en fout d'être souple pour être souple. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une souplesse active qui va nous aider dans un contexte qui est sportif parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux bouger. Et pour mieux bouger, il faut mélanger force et souplesse. Car dans un contexte sportif, toute souplesse est fondamentalement différente.
dynamique, donc vous devez la travailler de manière dynamique. Et c'est une des raisons pour lesquelles non seulement je mets en place des étirements progressifs chargés, c'est-à-dire des mouvements où je vais m'aider d'une charge pour atteindre un plus grand étirement lors de la descente, et quand je remonte, je dois me confronter à cette charge, ce qui me permet de développer ma force, mais je fais aussi des exercices de force pure dans une grande amplitude pour me permettre d'avoir vraiment pile de la force dans cette amplitude-là pour qu'elle soit réellement utilisable. Parce que si vous avez la souplesse mais vous n'avez pas la force pour pouvoir l'utiliser, vous serez incapable d'utiliser cette mobilité dans un contexte sportif. Le cinquième point est que vous devez travailler dans des situations qui sont complexes. Parce que si vous voulez des jambes qui sont intelligentes, vous devez justement les confronter dans des situations qui sont vraiment dures pour qu'elles puissent justement développer cette intelligence-là. Or, qu'est-ce que font la plupart des gens ? Eh bien, ils entraînent des quantités, mais ils n'entraînent pas de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une quantité, c'est de se dire « Ah ben tiens, je vais simplement sauter le plus loin possible. Je vais simplement sauter le plus haut possible. » Mais très peu de personnes se disent là maintenant, je vais faire un saut, mais je vais faire un saut de précision. Donc non seulement j'ai demandé à mon corps de développer beaucoup d'explosivité, de force pour pouvoir sauter, mais j'ai envie de le faire dans des conditions précises, avec beaucoup donc de précision, comme on pourrait le voir par exemple en parcours. Donc ça c'est très important, parce que vous ne devez pas juste être dans des situations où vous dites, ah ça c'est vraiment un poids très lourd à soulever. Vous devez aussi vous mettre dans des situations où vous dites, putain, je sais pas comment répondre à cette situation-là, je comprends pas le mouvement. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Attends, je dois mettre mes jambes comme ça, je comprends pas. Parce que si vous n'êtes pas dans ce genre de situation, eh ben vos jambes vont être comme si elles avaient un moteur de Ferrari, mais une Ferrari qui peut seulement rouler en ligne droite et qui peut absolument rien faire de complexe. C'est exactement ce que vous entraînez, ce à quoi vous entraînez vos jambes sans vous mettre dans des situations qui sont véritablement complexes. Le sixième point, c'est l'importance capitale de faire des sports. Très 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 important. Parce que j'ai compris rapidement que si je ne fais pas de sport et que je m'enferme seulement à travers des exercices d'entraînement traditionnels, des exercices isolés, eh ben c'est dur de se rendre compte des limites de notre corps. Parce que pour se rendre compte de nos chaînes, eh ben on est obligé de bouger. Et nous, on est obligé de bouger dans une perspective qui est généraliste, dans plein de fonctions différentes, dans plein d'amplitudes différentes, dans plein de contextes différents. Et ces contextes, c'est très dur de les trouver par soi-même. Or, si on fait un sport, eh ben on se retrouve naturellement confronté à ces situations qu'on devra par la suite surmonter. C'est ce que j'appelle des problèmes moteurs. Et donc ça, c'est très important. Surtout que aujourd'hui, on a trop tendance à s'enfermer que dans des salles de musculation ou que dans notre salon. Et mais si vous voulez développer des jambes véritablement fortes, eh ben c'est très important de sortir régulièrement de votre putain de salle ou de votre salon pour vraiment avoir des jambes fortes. Le septième point est très important et consiste à travailler la coordination fine. Alors il ressemble au cinquième point où il s'agissait de travailler la complexité, mais vous allez voir, on va aller un peu plus loin. D'ailleurs, désolé, je suis énormément, je suis là dans un hôtel en Asie, j'ai arrêté la clim pour pouvoir faire cette vidéo, mais donc voilà, c'est pour ça que je suis énormément. Bref, et en fait, ce que je veux dire dans ce point-là, c'est qu'il s'agit d'arrêter d'être seulement une brute, mais de commencer à devenir un artiste, quelqu'un que c'est finement utiliser son corps. Donc vous pouvez apprendre à jongler, à manipuler les objets, à rester en équilibre, car c'est ça qui va développer votre proprioception, c'est-à-dire votre capacité à vraiment situer votre corps dans l'espace. Et plus celle-ci sera développée, et ben plus l'utilisation de vos jambes deviendra véritablement simple. Maintenant, ce qui concerne le huitième point, ça va être l'importance de sortir de l'alignement corporel. Parce qu'en fait, peu importe le sport que vous allez faire, vous allez à un moment donné vous retrouver dans une situation où votre corps va sortir de son alignement corporel traditionnel, où vous n'allez pas être droit, mais vous allez être courbé, où vos chevilles, au lieu d'être droites, vont aller sur le côté. C'est normal, ça fait partie des sports. Mais puisque c'est une partie intégrante des sports, là aussi, c'est totalement débile de ne pas entraîner spécifiquement ces situations pour faire face à elles ensuite dans le chaos des sports. Alors bien sûr, il faut le faire progressivement, il faut le faire
intelligemment, il faut le faire avec douceur, mais il faut le faire tout de même. Donc imaginons, si vous voulez avoir moins d'entorses, et ben commencez dès à présent de manière intelligente à travailler dans ces positions pour que votre corps puisse devenir plus fort dans ces positions, et c'est comme ça que vous allez baisser votre risque de blessure. C'est très important et ça rejoint la loi de laquelle je vous parle tellement de fois, c'est-à-dire la loi de l'hormèse. En d'autres termes, tout organisme vivant exposé à un stimulus stressant ne dépassant pas sa capacité d'adaptation voit ces dernières s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Donc ayez confiance dans le fait que votre corps, il est fort, il sait s'adapter à condition que vous l'entraîniez progressivement et intelligemment. Comme pour tout, c'est vraiment la dose qui fait le poison. L'eau peut vous noyer, mais peut également vous sauver lorsque vous êtes dans un désert. Donc c'est pas parce que l'eau peut vous noyer que l'eau est forcément mauvaise. Il faut faire preuve d'intelligence. Parce que souvent, ce qu'on parle de ça, des gens qui disent « Ah, mais il y a des mouvements dangereux, etc. » Non, c'est une question de préparation. C'est seulement ça que vous devez garder en tête. Le neuvième point est que vous devez vous entraîner davantage. En fait, moi, dans le passé, j'étais trop coincé par rapport à une vision très traditionnelle de la muscu. Vous savez, on a ce qu'on appelle le leg day, c'est-à-dire finalement le jour où on travaille les jambes. Généralement, il n'y a qu'un seul de ces jours dans la semaine. Et même si ça peut passer d'un point de vue pur de la musculation, mais à partir du moment où vous voulez donc avoir des jambes généralistes capables de répondre à plein de situations, qui sont fortes, qui sont souples, explosives, etc., eh ben, il faut vous entraîner plus de fois. C'est aussi simple que ça. Donc, on va être au minimum sur 2 à 3 séances, si ce n'est plus, en fonction des qualités que vous souhaitez travailler. Imaginons si vous avez plein d'objectifs de souplesse, plein de mouvements différents que vous allez apprendre, logiquement, vous allez avoir davantage de séances. Mais ce qui est intéressant, c'est que avoir davantage de séances n'est pas forcément problématique, parce qu'on se dit « Ah ouais, je vais beaucoup travailler, du coup, je vais forcément me blesser. » Et non, c'est pas forcément le cas, dans la mesure où, puisqu'on va travailler de manière généraliste, puisque nos séances ne vont pas beaucoup se ressembler parce qu'on va travailler différentes choses, et puisque les stimulus sont à chaque fois différents, et ça nous permet de travailler régulièrement nos jambes sans pour autant, imaginons, avoir des blessures de surutilisation comme les tendinites. Okay ? Et donc, c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous entraîner davantage. Maintenant, le 10e et dernier point duquel je vais vous parler, aussi très très important, c'est simplement de marcher régulièrement en arrière. Pas marcher devant vous, marcher en arrière. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre grâce à Ben Patrick, qui a probablement créé le plus de rééducation de genoux dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place lorsque vous avez mal au genou. Ça m'a aidé tellement de fois. Donc simplement, en début de séance, vous allez marcher au minimum 5 minutes, 10 minutes, ça c'est vraiment bien. En arrière, par exemple sur un tapis roulant, c'est le plus facile à faire, hein, sinon on pouvait aller à un endroit basique où vous pouvez marcher, c'est un peu bizarre, mais vous pouvez quand même le faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément, puisqu'en fait, vous allez stimuler suffisamment le genou qui a mal pour le permettre de se renforcer, mais il n'y a pas d'intensité qui est suffisamment grande pour que vous ayez véritablement mal. Donc vous le renforcez sans avoir mal et en plus de ça, ça vous permet de lubrifier l'articulation du genou. Parce que je vous le rappelle, hein, les articulations ont besoin de stress mécanique pour être véritablement bien irriguées. C'est pas comme les muscles qui sont beaucoup plus facilement irrigués de manière passive. Ok ? Donc voilà, les 10 points que je voulais aborder. Bien sûr, j'ai parlé avec, j'ai beaucoup résumé mes propos, mais sachez que chacun de ces points a été abordé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse davantage. Et dernièrement, je vous invite à être à l'affût de ma vidéo de jeudi prochain, c'est-à-dire le 28 novembre, où je vais annoncer un tirage spécial et la plus grande promotion de l'année par rapport à mes formations, parce que c'est bientôt le Black Friday.